Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode du Let's Play sur Call of Duty Modern Warfare Remastered. Et c'est parti. On reprend du coup avec la mission Sanglier. Qu'on n'avait pas encore entamée, je précise. Allez, c'est parti. J'arrive. Ça commence bien, on dit de se ramener nos fesses là comme ça. Ça commence merveilleusement bien. Alors, du coup, on va foncer dans le temps, on va tous les tuer, voilà. Alors je sais pas si ça va être si simple que je l'ai dit là, mais parce que cette zone, il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Mais le but, ouais, c'est vraiment de foncer dans le tas là. Tuer les mecs là qui sont dans le bus. Parce que du coup il y a le lance-roquette je crois qui est derrière, non? C'est pas derrière le bus. Hop. Oh, une petite RPD, vas-y on prend la RPD, comme ça on va encore mieux foncer dans le tas. Ils avancent sur le flanc. On sera des bons bourrins. De toute façon il faut les repousser là. Oh non putain! Oula! Oula! Ah lui, il était surprenant hein. Surprenant en finesse, ce qui m'a bien surpris. La grenade c'est bon là normalement, non? Ouais c'est bon, elle ne touche pas. Lance-roquette il est dans les parages normalement là. Il y a un lance-roquette ici, ouais ici voilà. C'est bien ce que je me disais. Hop, bon, on va le prendre direct. Hop, pourquoi déjà le lance-roquette là? Pourquoi je dois prendre un lance-roquette déjà moi? Attendez. Escorter le char, ouais. Pourquoi il m'a dit de prendre un lance-roquette déjà? Quelle était l'utilité? Il n'y avait pas en fait. Bravo 6, embuscade probable droit devant. Principal c'est qu'on ait un lance-roquette. Voilà. On a un lance-roquette, on est content. Attendez les marines, on va tirer quelques obus sur ce bâtiment. Ok, artilleur, bâtiment à deux étages à une heure, rez-de-chaussée. Alors ici y'a pas un petit truc, renseignement, par hasard, par le plus grand des hasards d'ailleurs. Non y'a rien, bah, pas d'hasard okay. Alors hein. Cure de pastèque. Merde. Ah c'est bon, cure de pastèque. Il va y avoir vraiment beaucoup d'ennemis ici hein. Dans la globalité de la mission il va y avoir beaucoup d'ennemis. Tiens hop. Moi aussi je joue au lance-roquette. Moi je suis comme ça moi. C'est top, ça n'a plus, je dirais. Bravo 6, on avance. Bien reçu. On avance, et il y en a encore au top. Attends, hop, petite grenade. Petite grenade. Vous, c'est bon. Et au top, je sais pas s'il en reste. Mais ça doit être bien dégagé. Oula, tâchons de pas mourir. Lance-roquette par contre, ça ne servit à rien. Il a servi à rien. Hop. Oh, ok, 47 lance-grenades. Merci. Ok. Bon, on va aller dans ce bâtiment. On peut pas aller au... Non, on peut pas aller au top ici, non. L'autre, il ferme sa porte. Il a cru que ça le protégerait. Ok, bon. Les cachotiers sont morts. C'est parfait.
Et du coup, on va pouvoir progresser. Mine de rien. Merde. Désolé. Oh, c'était Griggs. Oh là là. C'était Griggs en plus. C'était encore un vulgaire allié qu'on connaît pas. Ok, mais là, c'était Griggs. Ça se fait pas. Ça se fait vraiment pas. Oup. Le petit sniper. C'est qui m'a tiré dessus là comme ça et qui m'a mis mal? Y'a des mecs là ou quoi? Ah ouais, on peut. Ah, c'est bon, j'ai trouvé l'issue. Dégage toi. Hop. On peut avancer. À vous. Ouais, regardez les malins, ils sont retranchés ici. Mais... virage, à vous. Compris, en avance. Allez, un renseignement, je me disais bien aussi. Hop, okay. Et ici ça a l'air clean. Hein. Cible en visée. Grenade à péter, ouais c'est bon, elle a pété. Il vient juste tout juste de péter. Okay. Et du coup, renseignement. Cible en visée. Renseignement, c'était dans cette pièce. Ok, il est là, c'est bon. Nous avons 8ème déjà. Oh, ça avance vite les renseignements. Ok, heureux, j'ai juste fait une petite coupure, j'avais quelque chose à faire, c'est bon, de retour. De toute façon, vous n'avez rien remarqué, donc je m'en fous. Balek. Balek complet. Alors, ici, on va pouvoir les... Enfin, non, on va pas pouvoir tous les fusiller, quand même, bien en partie. Si j'avais le Dragonov, là, ouais, je pourrais bien les fusiller. Mais là, je vais devoir me rapprocher, de toute évidence. Regardez, ils sont dans leur bus, là, encore. Ah, les fourbes. Sont tous fourbes, il y en a marre. Oh, il y en a marre. Bon, du coup, c'est pas fou qu'on descend. On dit, on va descendre par là en mode freestyle. Il y en a marre. Pouf, voilà, c'est mieux en mode freestyle. Ça passe toujours en mode freestyle. C'est dangereux, mais ça passe. Ok, donc ici, on va faire le tampon. On va essayer de tous les éliminer. Oula, 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 ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Ouais, j'ai voulu trop tamponner là, peut-être, non? C'est pas le jeu des auto-tamponneuses, hein. Oh, la grenade. Si m'aider aussi, les petits PNJ alliés, ce serait pas de refus, hein. Non, là, c'est bon, on a bien fait le tampon. Hop, à K47 lance-grenade, non merci. Là j'ai 3, ouais, c'est déjà mieux. J'avais vu une AKU, moi, ça m'intéressait l'AKU. Mais bon, on dirait qu'elle est plus là. Enfin, je sais qu'elle est là, mais... bien cachée. Oh, un Dragonov maintenant, tiens. C'était pas vraiment maintenant que je le voulais, mais... maintenant que là... on le prend. On le prend, on le prend. D'ailleurs ici, eux, ils sont même pas morts en fait. Ou alors il y a des nouveaux qui sont arrivés. C'est plus des nouveaux ça je pense. Ok, c'est fait. Parce que de toute façon on va devoir passer par là maintenant. Je passe un peu une étape là. Et là j'ai pas de shoot d'ailleurs. Parce que ici... oh c'est bon, ils ont clean ce bâtiment là. Bah non, il est pas clean, c'est ce que je pensais aussi. Bon, on va prendre la K47 en grenade. Depuis le temps qu'elle nous la monte, de toute façon, faut bien la prendre, hein. Ils veulent qu'on la prenne, de toute façon. Ça se voit. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Là, du coup, je suis retrouvé ici. Juste envie d'aller au top. Bonjour, toi, avec ton coup de crosse raté. T'as bien l'air con. Ouais, voilà, c'est bon. J'ai trouvé le moyen de monter, enfin. Parce qu'il y en a encore ici. Là, c'est bon, ils sont tous morts. Ici on n'avait pas. Point de contrôle atteint, c'est parfait. Éventuellement il peut y avoir un petit renseignement. Il y avait un escalier aussi ici, putain. Renseignement, renseignement. Où es-tu? Il n'est pas là. Bon bah c'est pas grave, on va progresser. Alors les petits malins qui se cachaient en haut là. Oui, bah forcément encore derrière ta porte, toi. T'as l'air con, hein. Griggs, continue de débloquer depuis ici. Bravo. Ok, il y a vraiment des détails qu'il n'y avait pas auparavant. Restez sur
J'ai presque du mal à reconnaître les environnements tellement qu'il y a plus de détails, c'est frappant. Hein. Donc là, du coup, on va arriver au moment normalement où il y a la benne ordure, on va se cacher derrière pour avancer. Mes souvenirs sont tout à fait corrects, normalement, ouais, c'est ici. La benne ordure, parce que là, il va y avoir un mec en mode camp. Oula, mais il ne pousse pas. C'est qui m'a poussé? Harvey. Harvey, je t'avais dit d'arrêter de me pousser. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec une AK-47? Parce qu'elle a trop de recul, cette arme. Hein. Allez, les gars, poussez. En moins. Voilà. Non, finalement, la K47, tout est parfaite. Parfaite de chez parfaite. Je me souvenais pas, auparavant, réussir aussi facilement, tu vois. Il m'embêtait souvent les... Deux en haut, c'est pas possible, la voiture qui explose. Je meurs pas depuis le début, je fais des trucs quand même assez wall again, tu vois. Et là, il a fallu que je me fasse exploser par une voiture. C'est vachement comique, hein. J'apprécie. Ouais, bon. Ne plus se rapprocher des voitures, note à soi-même. Allez, lieutenant Vasquez, on y va, moi j'ai des hommes à fusiller. Et de 1. Et de 2. Ok. Et il y en a marre, donc voilà. Normalement maintenant réaction en chaîne, tout va péter. Hein. Ou alors c'est moi qui va tout faire péter, tout naturellement. C'est bon? Attends, toi je te sens pas. Voilà, je te sens mieux maintenant. Ok. C'est pas possible. On entre, on y va. Allez. Je sais pas pourquoi je fais ça. Regardez ces cons là, c'était bien. Ça arrive, ils remontent la route. C'était bien. Oh, bah, ils étaient encore mieux, ils avaient un ravitaillement. Un enseignement. Enfin, trouvez le mot. Et le magnifique char Abrams qui arrive. Oh oui. Parce que là, il y a un char ennemi en fait. C'est un char ennemi ça, non? Si. Ah non, c'est celui-là le char ennemi. Suis-je bête? Voilà, plus de char ennemi. Ceci est de la destruction massive. Joli tir, sanglier. Beaucoup de tués. Maintenant, fichons le camp d'ici. C'est le principal, on va dire. Attention, beaucoup de tués, c'est ce qu'il fallait. Hein. Ah, mais toi, t'es pas mort. Bien sûr, t'es à côté du tank, tranquille. Alors, quand est-ce qu'on arrive? Bravo 6, la deuxième section rejoint le point de rencontre près de votre position. Quelle est votre situation? À vous. Le colis est intact et en route. On est presque sur l'autoroute 4. On devrait bientôt établir le contact visuel de la deuxième section. Let's go, baby. Let's go. On arrive déjà à la fin de la mission. Bah ouais, hein. Ça va vite. Ça va tellement vite. Est-ce qu'on n'arrive pas après à la fameuse mission? Je ne citerai pas son nom ni ce qui se passe dedans. Mais est-ce que la fameuse mission, c'est pour après? Ah, peut-être. Peut-être. Oh. Ah si, c'est ça. Je suis tout émoustillé d'avance. Les squads passent à l'attaque pour capturer Al-Assad. Tout le monde est sur le coup, alors grimpez, à vous. Bien reçu. Marine, on a l'info sur la position d'Al-Assad. Tout le monde sur lui, allez. Ok, allons-y. Arrêtons de jouer. Mission accomplie. C'était pas très compliqué, à part la voiture qui nous a explosé. Voilà, hein. Je crois que ça va être ça. Je crois que c'est la fameuse mission là. Marine, on a peut-être une info sur la position d'Al-Assad dans la capitale. Le premier bataillon est en route. Les renseignements des SAS indiquent qu'Al-Assad pourrait détenir une tête nucléaire. Russie doit agir vite. Les équipes du déminage ont été déployées dans la zone. Les unités reconnaissance et de sauvage ont détruit la plupart des défenses aériennes. Mais les forces au sol d'Al-Assad restent une menace. Bref, on va mettre les paquets. On chope Al-Assad et on la termine. À vous de jouer, Marine. Je vais voir le nom de ma mission, je vais savoir direct de toute façon, mais de toute évidence, ça a bien l'air d'être cette fameuse mission. Choc et froid. Bingo. Ah, la fameuse. Je ne dirai rien, je ne spoilerai pas pour ceux qui connaissent pas et pour ceux qui se rappellent pas. Donc je vais vraiment rien dire. Et cette mission, c'est pas du camembert mou. Voilà.
Désolé de l'expression, mais c'est pas du camembert, non. Pas du tout. C'est magnifique. Oh là là. Motherfucker. Motherfucker. On va tout exploser. On va calmer là, hein. On va tout mitrailler du coup. C'est pas ça la mission, enfin c'est une partie de la mission mais pas l'intégralité. Par contre même si vous voyez qu'on a une bonne frappe, bah ça surchauffe quand même. Une force de frappe, non pas une frappe. La statue, faut que je la détruise comme d'hab, à l'ancienne. Voilà c'est bon, mission accomplie. Même si c'était pas du tout une mission, il y a un objectif mais c'est important de le faire. Là, oui, vite, avec le camion citerne. Voilà. Oh putain, c'est magnifique, les explosions et tout. Même les couleurs, avant, il n'y avait pas comme ça un coucher de soleil. C'était terne et tout. Là, plus maintenant, quoi. C'est magnifique. Il n'y a pas photo. C'est complètement différent. Ok. Là, on va se stopper au niveau de la place, du coup. Allez, pose-toi. Bien sûr, ok. Enfin, pas vraiment. Alors, vous les malins, là, j'ai détruit votre statue. Faut être un peu timoré, on va dire, au niveau de ses actions, du coup, non? Je détruis quand même une statue, moi, je suis un mec dangereux. Reconnaissance se retrouve coincée sous le feu ennemi. Qui me dire je suis là? Est-ce qu'il y a Thug qui fait ça? Ils sont là-bas les Thugs? Y a-t-il des Thugs là-bas? Bandit, du serpent! On retourne à la base pour faire le plein. Vous êtes tout seul, le 5. Après cette mission, elle a à peu près 10 ans, deux parties je crois. J'ai toujours assimilé ça comme la seule et même mission. Mais ouais, si je me souviens, c'est quand même divisé en deux parties. Bon, prenez ça. Allez, mission sauvetage. Encore une fois, c'est pas la première fois du coup. Après Nikolai, maintenant c'est toute une unité qu'on doit sauver. Même si on contrôle pas le même protagoniste. C'est parti du coup. Chaud 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 cacao. C'est chaud chaud la Zelda. Ouais non par contre attends. Calmos hein. Mais t'es pas si mal dès le début hein. Oh. Ils sont culottés je trouve. Je ne touche même pas lui avec la brique là, il est protégé tu vas me dire. Ah c'est ça en plus. Putain dégage la brique. Il prend qu'un impact de balle lui. C'est un salaud. Hop, allez grenade, merci. J'ai 3, on prend et on va un peu rush la chose. Ok. C'est bon. C'est bon, on peut avancer. S'il n'y a rien, on y va. Oula, oula, où ça pique encore? Où ça pique encore? Ouïe aïe 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 aïe. J'ai trop tendance à vouloir pousser mon tas moi. Hein. Que tu tressailles tellement quand tu te fais toucher là que c'est. Ah merde, désolé, désolé l'allié, désolé, je sais pas qui c'était. C'était Vasquez. Il y a des gars au deuxième, je répète, on est au deuxième étage. Je sais pas, je ne pense pas, j'espère pas. Pas de ma faute, c'était pas voulu. Ok, on arrive du coup à l'unité. Ouais, taxi, c'est moi. Hop, bon allez, dixième renseignement, on est bien pour les 15 hein. Comme je l'avais dit. Ah, ici, je me rappelle à l'époque, la première fois que j'avais fait la campagne, j'avais vraiment foutrement galéré. Parce qu'il y a vachement d'ennemis. Mais en fait, là-dessus, c'est qu'il faut vraiment foncer dans le tas direct. Et pas perdre de time. Comme je viens de le faire là. J'ai pas intérêt à me porter préjudice par contre. Il faut vraiment pas perdre son temps, c'est sûr. J'ai même foncé tellement vite là pour une fois. J'ai jamais foncé aussi vite dans le truc. Oh ouais là vraiment je les rush comme jamais. Oh là là, c'est la première fois que je fais ça.
ça a rien à voir avec la difficulté, vu que j'ai fait pas mal de fois quand même la mission, enfin la campagne même, en deuxième classe. Donc, non, là, vraiment, j'ai rushé la chose, je suis surpris. Ils ont pas eu le temps. Bon, dans ce jeu, faut avancer parce que sinon ça bloque et les ennemis vont spawn en unité. Faut vraiment toujours progresser, ne pas avoir peur. Foncer tête baissée un peu. Vas-y, on va prendre les RPD même si on arrive à la fin. Il y a une grenade à prendre. Bon, c'est bon. Allez, reste qui comme Zigoto là encore? Zigoto. Non, c'est bon. Zigoto. Eh ben, personne. Allez, on y va alors. Je suis rapide, hein, vous allez me dire. Oui, c'est vrai. Dégage, toi. Non, mais oh. C'est le thug de s'attaquer comme ça aux gens. Je suis là. Allez, on retourne. J'adore cette arme. Je me rappelle pas qu'elle ressemblait à ça, n'empêche. À l'époque. Elle était pas si peut-être imposante, je sais pas. Je sais pas. Oh shit. C'est pour ça que je disais que c'était en divisant en deux parties. Parce que pour moi ça, on arrive à une autre partie de la mission, tu vois. C'est la même mission mais divisée en deux. Donc on peut dire qu'il y a deux missions. Bon bah, on retourne à terre. Mission sauvetage du coup. T'inquiète, on va tout sauver. Vous serez plus à distance de sécurité si la bombe explose. Vous avez bien compris? Bien compris. L'avion il est là. Oh, j'ai gagné un trophée. Fan d'explosion, je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est cool d'avoir un trophée supplémentaire. Je dis pas non. Quelle est votre situation, à vous? Je suis là! Keating est mort! L'ennemi approche! Allez, je suis prêt, je suis tout excité! Oui, parce qu'après ça, ouais, je dis rien, mais voilà, après ça. Ok, on a 1 minute 30, c'est parti. Gros rush des familles. Attends, RPD pour un gros rush des familles. Hein. J'arrive. Allez, viens. Hop. Mais attends, mais on l'a porté. Eh, hey, ils ont changé le truc, on l'a porté pas comme ça auparavant. On l'a porté pas comme ça auparavant, je suis presque sûr. Je suis presque sûr. Non, ils ont changé. On la portait pas comme ça avant. Je suis sûr. Ok. Bon bah c'est plus pas très compliqué. Comme quoi, ils changent des petits trucs, hein. On remarque pas forcément tout ça, hein, je pense. C'est vraiment des petits détails. Dégagez, monde de vaurien. Ah, pour Sokyo est dur, je dis rien, mais oui, ça risque d'être le cas, mais très fortement. Je suis prêt. Flipper Uranus, je vous préviens. Oh là là. Oh putain, c'est magnifique. Oh, oh c'est magnifique, c'est splendide. Oh là là. Oh, ça aussi c'est nouveau. Ça aussi c'est nouveau, avant il le sauvait pas. Avant on restait accroché, c'est tout, mais on sauvait pas le mec qui est... Bon, le mec qui est perdu, là, du coup. Oh c'est splendide, oh c'est splendide. Ça c'est l'une des scènes les plus marquantes, voire même la plus marquante de Call of Duty 4. Et dans la globalité de Call of Duty, c'est vraiment l'une des plus marquantes. Oh là là, ils l'ont bien refaite, hein. C'était beau. Magnifique. Oh là là. Court mais intense. Et ouais, ça aussi ils ont changé. Avant on sauvait pas le mec, hein. Quelque chose vient de se passer. Non, il y a notre nom, c'est fini, notre nom est dans la liste des morts. Portée disparue également. Non. En même temps, en plein épicentre de la bombe nucléaire, ça fait mal, hein. Ah non, pas. Non, à côté de l'épicentre. Bon, quand même, ça doit avoir une sacrée portée, ce truc, hein. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Question. Est-ce qu'ils ont un peu changé ce moment aussi? Parce que là, ils ont fait des changements dans cette mission, hein.
Le fait que le mec tu le tiennes par la main pour pas qu'il parte, même si bon, il est parti bien loin. Et la fille que tu portes différent. Ah ouais. Ah si, il y a des changements. Ah ouais, c'est beaucoup plus clair. Avant, tu voyais fou. Enfin, c'était pas parce que t'étais dans le mal que tu voyais fou, mais les graphismes quoi. Là, c'est vraiment clair et tout. Oh ouais. On peut se lever, ouais, c'est bon. Oh ouais, c'est. Oh putain, c'est magnifique. Oh, oh my god. Oh, le champignon atomique. Oh, c'est trop bien fait. Même les gens, ils bougeaient pas avant. Oh, il y a tellement de. Oh là là. Oh, je suis désolé, mais certains ils vont pas comprendre là ma hype, mais. Oh, le champignon atomique et tout, c'est magnifique. Splendide. Oh là là. Oh, si, vraiment. Oh, c'est magnifiquement bien fait le remaster. Oh, si. Oh là, magnifique. Oh, je suis bouche bée là devant l'écran. Oh là là. Ah ouais, ils sont gavés. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres personnes hein, auparavant sur la version de base. J'étais tout seul. Oh là, j'applaudis. J'applaudis, c'est magnifique. Oh ouais, le plan, oh là là. Ah oh, bravo, bravo, magnifique. Magnifique. Splendide. Du grand art. De toute façon, c'est la scène qu'il fallait pas rater dans le jeu. Bah, ils l'ont bien réussi, félicitations. Eh ben il est mort. Bah oui, on l'a vu. Et du coup on n'a plus que les SAS forcément. C'est un lâche, capitaine Price. Al-Assad ne se sacrifierait pas. Al-Assad utilisait une cachette en Azerbaïdjan. Je vous envoie les coordonnées. Compris Nikolai. Gaz rassemble l'équipe. On va en Azerbaïdjan. Oui, j'ai entendu dire que c'est très beau. Ah cette mission. Ah, celle-là non plus, elle est pas facile comme mission. Cachette. Ah là là, cette mission, c'est pas de la facilité qu'on va avoir là. Hein. Ok alors. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Effectivement, on va s'arrêter là pour cet épisode. Pouh. Eh, j'hésitais un petit moment, je me suis dit, non, je vais pas continuer, j'ai pas envie après de reprendre en pleine mission. Quand on commence une mission, autant le commencer dans un nouvel épisode, voilà. Bon, surtout quand là, voilà, on approche de la fin de l'épisode, parce que sinon, oui, on peut recommencer une mission et tout ça. Mais là, non, on peut pas trop se permettre. J'espère du coup que cet épisode du coup 4 du Let's Play sur Call of Duty 4, Modern Warfare Remastered, vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, de commentaires, de partage. Ça me fera extrêmement plaisir, surtout pour cette magnifique explosion nucléaire qui a tout pété. Et ouais, et ouais, et ouais, et on l'a tous vu. Et du coup, on se retrouve dès vendredi pour la suite avec le 5e épisode. Allez, bye tout le monde. We're...